Salam alaikum, je m'appelle Youssef Ghalem et dans cette vidéo, j'essaierai de vous présenter notre start-up qui est ACF Group. Donc ACF, les initiales de apprendre, c'est facile. Comme vous pouvez l'imaginer, donc notre start-up, elle opère dans le domaine de l'éducation, en particulier dans le domaine du e-learning. Et on se spécialise dans la création de contenu digital destiné à l'éducation. Donc durant l'année 2013, nous nous sommes fait un nom dans la toile, sur le web, grâce notamment à notre projet Kezaku, donc qui est notamment la première plateforme communautaire de e-learning marocaine, donc qui a remporté plusieurs prix. Je cite meilleure start-up de l'année lors de la compétition Maroc Web Awards, également donc le deuxième prix remporté dans la compétition Maroc Startup Cup que vous voyez ici. Alors, vous vous posez sûrement la question. Quelle innovation pouvons-nous apporter avec un tel projet, avec une société comme ACF Group? Donc, laissez-moi vous dire que l'éducation au Maroc, elle souffre de mille maux. Nous sommes classés parmi les bons derniers en Afrique et dans la région MENA. Donc, si je me rappelle bien, nous venons juste avant des pays comme le Seychelles ou bien le Burkina Faso, qui sont des pays qui souffrent de guerre civile. Et donc, imaginez que notre pays, qui est le Maroc, est très très mal classé parmi ces pays-là. Donc nous comptons innover dans le secteur éducatif en apportant une touche de créativité et en adaptant cette même éducation, ce partage d'informations, aux mentalités de ces jeunes, des étudiants. Des étudiants qui aujourd'hui utilisent beaucoup la technologie et qui sont ultra connectés à Internet. Donc grâce à nos supports et grâce à nos sites web comme Kezaku, nous comptons donc faire passer le message éducatif de manière ludique, interactive et ergonomique. Deuxième point, donc nous comptons apporter au marché éducatif marocain, et plus particulièrement dans le monde des maisons d'édition, donc le support numérique qui pourra accompagner des manuels scolaires ou parascolaires, ou aussi des cahiers d'activité. Alors, ce support numérique consistera en fait en des vidéos explicatives de phénomènes scientifiques, ou bien pas scientifiques, ça dépend de la matière, mais également de quiz interactifs qui pourront évaluer les connaissances de l'étudiant, et bien évidemment d'images très très hautes en couleur. Finalement, la dernière touche d'innovation que nous comptons apporter avec nos projets éducatifs est la vulgarisation du savoir. Nous ne voulons pas que l'enseignement soit confiné uniquement aux professeurs et aux enseignants. Nous voulons également introduire les étudiants et les élèves dans ce processus de création de contenu éducatif. Non seulement ils vont apprendre de manière plus efficace, mais aussi ils vont enrichir le contenu sur le web marocain. En contrepartie, ils auront des récompenses, mais aussi de meilleurs résultats. Donc, si vous nous demandez quels sont nos avantages compétitifs, tout d'abord, nous vous répondrons que dans ACF Group, nous avons eu l'occasion de nous faire un nom dans le domaine de l'e-éducation. D'ailleurs, de très très grands clients nous ont fait confiance, comme Inouï, pour lequel nous avons sous-traité le projet e-Madrasa, notamment créé plus de 100 vidéos pour le niveau du baccalauréat, mais également grâce à nos partenaires, donc médias comme IT Radio et associatifs comme la Fondation Zakora Éducation. Donc, un deuxième avantage compétitif est notre savoir-faire. Donc, un savoir-faire unique dans le marché marocain, avec plus de 700 vidéos créées en l'espace d'un an. Ce savoir-faire-là, qui peut être mis à contribution de l'éducation au Maroc, grâce aussi à nos équipes qui sont formées de profils pointus en pédagogie, inspecteurs et professeurs de tous les cycles, donc du primaire jusqu'à l'universitaire, mais également des profils en multimédia et des profils en technologie, parce que l'éducation marocaine a besoin d'une société comme ACF Group. Les étudiants marocains ont besoin de nos services. Et nous nous sommes fait un vœu, nous nous sommes fait une promesse d'atteindre cet objectif et de leur apporter une aide concrète. Merci de votre soutien.